Wesh les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog les amis. Aujourd'hui on est au Futuroscope avec Amélia. Voilà, du coup là on a pris un petit Airbnb. Un petit Airbnb. Voilà. Un petit studio Un petit studio, ouais. sans cuisine. Voilà. Les petites... La petite salle de bain, toilette, douche. Et du coup là, direction petit déjeuner. Il est quelle heure? 8h et des brouettes. Petit déjeuner, ensuite direction le Futuroscope. Futuroscope. Let's go. Attends. Bon, un bon petit déj. Bon appétit. On va goûter le petit déj. C'est pas mauvais. Confiture de fraises. Petit thé au caramel. Et petit jus d'orange. Faut le sucrer un petit peu. Bon, on s'est préparé. On était au Fast Hotel de Poitiers. C'est ça? Oui, c'est ça. On était là. Fast Hotel. Poitiers Futuroscope. Joue le jeu, Poitiers Futuroscope. Exactement. Du coup là, on en a pour à peu près 10 minutes de marche. On est en pleine cambrousse. T'es mal le délire. Ça, en vrai, ça va. Hein. T'es mal le délire. Avec un soleil. Avec un soleil, incroyable. Vraiment. Non, par contre, la lumière elle est belle. On pourrait peut-être, on pourrait limite faire un shooting photo. Let's go. Let's go. Putain de merde, on a réussi à passer la douane. Ouais. Elle avait ramené de la cocaïne. Ah, du coup, on n'a pas pu. Bonjour. Bonjour. Merci. C'est parti. Let's go. Let's go. L'attraction Lapin Crétin, on vient d'arriver, on était déjà là hier, du coup on a fait déjà un petit peu de repérage. Et le Lapin Crétin, on sait qu'il y a énormément de monde, comme on est vraiment à l'ouverture, on sait que c'est le moment d'y aller. Ouais, là on les il emmène est avec nous, 9, pas 9h18, est-ce qu'on vous emmène avec vous? Ouais quand même, on est gentil. Vas-y un on peu. On est gentil. Allez, à tout de suite. Let's go, aujourd'hui il n'y a pas de queue. Attends. T'es contente? Attente. T'es contente? Oui, je suis très contente. Oh, mais il n'y a pas d'attente. Ah, il n'y a pas d'attente. 3 minutes. En fait, on fait un musée. On vous a pranké. Et ouais. Ah, il y a une mouche. Ah, il y a une mouche. La Marie-Antoinette. On fait un urbex crétin. Oh là, le crâne de lapin crétinus. C'est gros. Une sorte de tuba bizarre. Ah ouais, oh, un dinosaure. Ah c'est pas un tuba, ça décore. Ça c'est quoi? C'est la machine à remonter dans le temps ça. Ouais. Je pense qu'on peut toucher le volume. Hein? Je pense qu'on peut toucher le volume. Vas-y. Ça bouge pas. Fais gaffe, on va s'envoler. T'en as pensé quoi alors? C'est trop bien, par contre j'ai eu la peur de ma vie. Il y a des trucs qui sont sortis en dessous nos jambes. Alors, oui, pas trop. On voyait pas la caméra parce que c'était tout noir, mais en fait c'est un truc en 4D. Et on du coup... nous entend crier, je pense. Hein. Oui, et du coup, mais genre t'as les ressentis, etc. Tous les ressentis. Par exemple, quand il pleuvait, on avait de l'eau qui tombait sur nous. Et... quand il y avait du vent, il y en avait du vent. Et là, on va faire la Vienne dynamique. La Vienne, c'est vraiment l'un des. Comment on dit? Des manèges iconiques d'ici. Ah ouais? Ouais, faut faire la Vienne si tu veux aussi, quoi. Je connais pas. Let's go. Bah bon, let's go. Je te suis. Il y avait un petit. C'est... comment il s'appelait là le personnage? Je sais pas, c'est un tellement bizarre, j'arrive pas à retenir. Un truc des forêts là, c'était un tronc d'arbre vivant. Il nous a éternué dessus, j'en ai reçu dans la bouche. Ah!
J'en ai reçu dans la bouche. Mais bonne expérience. Par contre, ça tabassait. J'ai pas pu filmer parce qu'il y avait des barres de sécurité. Et... ça bougeait bien. Et voilà, et ça bougeait bien, ouais. On a été secoués, heureusement qu'on n'avait pas trop mangé ce matin, parce que là, je pense que... Je pense que le croissant, là... Oula, oui. Si ça avait été plus qu'un croissant, ça sera tombé. Vous continuez par regarder ce que vous voulez faire... Viens, on va au toboggan. C'est pour les enfants... Bon, oui, pour les enfants, mais c'est pas grave. Pour les quoi? Les enfants. On est des enfants. Moi, j'ai une question à te poser. Ouais, t'écoute. On a fait le manège des lapins crétins. Oui. À l'intérieur, il y avait des tableaux. Oui. Est-ce que tu peux me dire combien il y avait de tableaux? 23. T'es sûr? Ouais. On a vu un spectacle hier. Le mec, il a posé cette question. Et il a posé à une petite fille. Ouais, il a dit... trois réponses... Il y a trois réponses possibles. 23, 23 000, 23 millions. Du coup, 23. Et du coup, voilà, bah c'était 23. Après, je me suis pas amusée à les compter, mais je connaissais déjà la réponse. Ou c'est comme à Thomas Pesquet. C'était quoi la question? C'était... Ah oui, c'est quoi sa première mission quand il est monté à l'ISS? Ouais. Est-ce qu'il a réparé les panneaux solaires? Est-ce qu'il a lavé les toilettes? Ou est-ce qu'il a... C'était quoi le troisième? Ou est-ce qu'il a réparé un truc dans la... Oh, le fait. Ouais, bah, je sais plus comment. Il y avait des abonnés derrière. Et bah au final, bah, il avait lavé les toilettes. Je voilà. Pensais qu'il avait réparé des panneaux solaires ou des trucs comme ça. Mais non. Mais bon, on commence tous petits. Et maintenant, Thomas Pesquet, tout le monde le connaît, quoi. Ouais. Si tu regardes cette vidéo, t'es un boss. Emmène-moi à l'ISS. Elle aussi. Et on la laisse en orbite. C'est gentil, toi. Comparer ta taille par rapport à Arthur. Tu fais 1 mètre combien? 50? 1 mètre 20. Ça c'est plus grand. Arthur c'est mon petit lui. C'est mon gars. Tu le prends comme ça? Ouais, moi je le prends. Je mange sur lui. On mange pas sur les gens. On mange pas sur les gens. Et là, direction le resto d'Arthur. Ouais, restaurant d'Arthur. On a vu en ça fait, sur Insta, la... ça. Ouais. Ouais, comme on a vu que c'était un buffet en fait, vraiment sur le thème d'Halloween, vu qu'Halloween c'est la semaine prochaine. Du coup, on va manger des trucs sanglots. Ouais, Halloween c'est la semaine prochaine, probablement que la vidéo va sortir dans longtemps parce que je suis toujours en retard. Mais voilà, on est quel jour aujourd'hui? On est combien? On est le 26 octobre. 26 octobre, ok. Et Halloween c'est quand? Le 31. 31? C'est dans 5 jours. Non, toujours effet des souris. Je dois attendre. Ah non, je prenais juste en photo pour une fois. Ah ok, bah je prenais juste en photo. J'ai réussi à gruger un peu. Alors, j'ai pris saucisses, haricots, pommes de terre, du riz, des lentilles. Là, il y a de la purée. Et en dessous, j'ai une bavette. Et du ketchup. Et en fait, genre, c'était une viande et tous les accompagnements, c'est gratuit. Et en fait, les saucisses, c'était dans les accompagnements. Sauf qu'en fait, c'est compté comme une viande. Et du coup, bah, j'ai pris une viande et je me suis engueulé. Enfin, du coup, j'ai pris une saucisse, je me suis engueulé. C'est un truc ensanglanté. On enchaîne sur la dégustation. Du coup, vas-y. Ouais, tu veux que je déguste ça? C'est de la crème avec du sang. Un truc ensanglanté. Thème Halloween. Quoi? Thème Halloween. Ouais, ouais. Non, mais c'est sur le thème d'Halloween. Ah. Pas à comprendre ce que c'est comme texture. C'est quoi, c'est gélatineux un peu? C'est mousseux. En tout cas, c'est archi bien présenté. Ouais, après, bah, c'est un petit moelleux. T'as le même, tu pourras faire la présentation. Ouais, j'ai un petit moelleux moi. La salade de fruits, on a la même. Et une petite crème brûlée, vas-y, croque. Quoi? Je pense une part. Ah merde! Elle est hyper bonne. Ah ouais? Le dessus il est un petit peu encore chaud. C'est vrai? Un petit peu, ouais. C'est hyper bon. Ok. Je valide. Ok, là on vient de finir de manger.
Bon, monsieur est en train de faire ses lacets. On vient de finir de manger. C'était extrêmement bon. Ouais, ça fait vraiment, plaisir. Ouais, merci. De rien. Et monsieur a payé. Et là, du coup, on va aller en salle d'arcade. Parce ouais. que pour digérer un petit peu avant de refaire un petit peu les montagnes russes, entre guillemets. Et on vous emmène avec nous. On vient de trouver une perle rare. J'ai trop peur qu'il bouge. Ouais, mais il a un petit cul. Oui, c'est vrai. Et il a des gros pieds, elle a dit. Il a un petit peu son cul. Hein ? Il est bombé un petit peu son cul. Putain de merde. Mais le problème c'est qu'elle est trop petite. J'ai je sais pas si on voit sa jambe, elle est à fond. Je suis sur la pointe des pieds. Merde. Putain, elle tombe. Alors lui, ça va, il est pas très. T'es pas trop tendu, toi, ça va, ça ta taille. Par contre, t'es en train de te faire dépasser. Hein. Dépassé ? Je suis 40e. Ah bah t'as perdu hein. En pleine course de F1 là. Le GP Explorer, Squeezie, appelle-moi. Ok. Allez. Oh là là là. 160. Il est tout là-haut. Il va descendre tout ça pour arriver ici. Et est-ce que c'est lui ? C'est pas lui. Il va arriver maintenant. C'est la sensation. Non, 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 non. Elle était en train de passer. Bien, on va. Ah oui, voilà. On va voir comment il se sent. Alors oh, le cœur. Ah ouais. Ah ça va trop vite. Non, on est posté. On va s'envoyer au 7ème ciel. On est dans une sorte de nacelle qui tourne, je sais pas. Il y a des gens de l'autre côté. Ça fait tout le tour. On va être tout là-haut. Et bon, pour l'instant on s'est plus, mais voilà. T'as peur? En fait, ça commence à me stresser. J'ai le vertige. Parce que ça bouge. C'est pas logique. À tout moment, je te vomis dessus. Tu vas le faire voler rapidement, ton vomi. Oui. Voilà. Personnes sont restées bloquées dans une nacelle. Les pompiers ont voulu attendre. Bah, bon, on peut plus sortir, ils sont plantés. Depuis plusieurs heures, tout le monde est sorti indemne. Ah, ah, merde, il y a le soleil. Ça tourne. Oui. Je suis plutôt de bonne humeur. Je vais te prendre une lunette de soleil. Il y a trop de soleil. Allez, hop là, on s'en va en l'air. On s'en va en l'air, il a dit. On a la recherche d'innovation technologique en décembre artistique. Une fois déniché, vous amène sur un autre autre chose. Et c'est comme ça que les robots qui peuvent être venus nous ont raconté une histoire pendant 5 minutes. Se sont retrouvés ici. Et c'est à faire. Ça va arriver dans sa vie. Regarde les gens qui sont en bas. Les vaisseaux et ses mini-boris. Le cirque du soleil. Le cirque du soleil. Ça fait coucou. Ça fait coucou. C'est quoi ? Le cirque du soleil. Bref, on va aller à la marge de la chaîne de biodiversité. Aujourd'hui, vous êtes presque tous. Il y a un petit spectacle d'eau. Tard Los Angeles. Non, Las Vegas. Tu vas mettre un petit peu d'image par rapport au concert, au spectacle d'hier. D'hier, ouais. Hier, on allait voir un spectacle. C'était du coup sur l'eau et ça parlait de quoi, je pense, Karen ? J'essaie d'avoir une anti-sèche, mais il n'y en a pas. Ada. Et le gros cauchemar, ça, là. Non, le
truc des songes. Songes. L'eau des songes. L'eau de songes. Quelque chose comme ça. Et c'était vraiment magnifique, vraiment magnifique. Et du coup, on a quelques images, on vous montrera juste là. Là. Précisément. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors là, on est maintenant dans le monde des enfants, le Futuropolis. Oulala, je suis devenue toute blanche. Avec le soleil. Du coup, on va faire un truc. En mode, on va se tirer grâce à l'aide de nos, la force de nos bras pour y aller. L'entrée, elle est ici en fait. Bé, tu passes ? Ah, limite, hein, limite. Du coup, hop, on s'installe. Tu es installé, c'est bon ? Barre de sécurité obligatoire. Barre de sécurité. Là, c'est bon. On peut commencer à tirer. Et oh là là, on va vite. On est pratiquement en arrivant en haut. Et attends, on a une petite vue agréable. Ah, bah il y a un petit, on va censurer. Ah, ah, est-ce que tu ressens ce truc dans le ventre quand tu descends? La pression? Oui. Non, parce que c'est moi qui le gère. Ah, on peut le faire alors? Vas-y. Tu tiens? Ok. Oh là oui, je le sens. Oh, t'as une petite boule quand ça... Ah, redescends. Tu sais que des fois ça me donne envie de chier. Oui, moi aussi. Ou alors sur les dodanes, sur les autoroutes ou des trucs comme ça. Vas-y, monte. Ah, monte jusqu'en haut. Tout en haut. Ah, attends. Ok. 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 Oh putain, on a une belle vue là. Tu meurs. Oh regarde en bas, il y a la statue. La statue de quoi? Ça. Ah, 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 ah. Ah tiens. À moi. Oh non. C'est moi qui vais avoir les trucs dans le ventre. Eh hey, mais là, hier on l'a fait en avec fait un bras. Ça nous a pas du tout fait ça. Bah, un bras tout de deux là. Ok, bah un bras là. En fait non, vas-y, dis les deux. Wesh. Ouais. Non, c'est un bâtard. On l'a trop fait. Oh non. Ah, je peux pas. Ah, oh, mais si. Là, il y a la meuf. Ah, là. Bon, après, on va filmer les gens. Ah, c'est la dame qui a dû nous descendre. Oh là là. Ok, les gars. Du coup, là, on a dû être séparés parce que, en fait, on est trop grand parce qu'en gros, il y a un petit qui se met à côté de nous. Du coup, là, il y a monsieur qui est là. Il pédale déjà et en fait le but de l'attraction c'est que bah on va tourner et plus tu pédales plus tu montes en hauteur. Du coup on va voir ça tout de suite. Du coup là je suis en train de pédaler, enfin là je pédale plus. Là il y a Anthony qui est devant. Attends je me tiens quand même. Et en mode c'est vraiment... Ah je descends, je remonte. En fait on est dans un parc d'attraction mais le but c'est de faire du sport. Au moins on perd pas la ligne, avec tout ce qu'on vient de manger, on perd pas. Et ça c'est une bonne chose. Là il y a des jeux pour enfants. On a une vue sur le futur. Attendez, on va descendre. Du coup. Mais descend et remonte. Wouh. Trop bien. Bon, c'est la fin. Là, bon, petit contre-jour, mais on va kick à la personne. Bon, c'est la fin. On a fait un dernier tour de bateau. C'est un bateau où tu dois éclabousser le plus de personnes possible, quoi. Monsieur s'est très amusé. Oui, j'ai éclaboussé tout le monde. Tout le monde m'a éclaboussé. Je me suis pris de l'eau en pleine face alors que je conduisais sagement. Je me suis caché derrière elle pour pas trop en recevoir. Voilà. Donc voilà, on a après 2 jours passés ici, c'est fini, un mois à dire. Monte ça. Ouais, une petite maison hantée. Avec un ami à lui. Un mois à dire. Il est déjà mort, par contre. Il faut une saison 2. Saison 2? Ouais, mais on sait pas où et quand. On verra où. Moi j'ai une idée de la saison 2, mais je crois que monsieur va pas vouloir suivre. Pourquoi, c'est quoi? Il va à Disney.
Ah ah. Ah, un peu plus tard. Bon, on verra bien pour la saison 2. On vous tient au courant. Bisous, bisous.